Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai reçu un colis aujourd'hui. Donc j'ai fait une petite commande sur le site Beauté Privée. Donc on va ouvrir ensemble. Alors j'ai déjà préouvert le colis parce que pour éviter de faire trop de bruit et de perdre du temps. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est encore bien bien emballé en dessous. Je suis désolée pour le bruit, je voulais éviter, mais du coup. Donc voilà ma petite commande. Hop, elle se présente comme ceci. Il y a plein de petites choses. Alors, du coup, à l'intérieur, ils m'ont mis une petite, un petit échantillon de la marque L'Oréal Paris, le Revitalift Magic Blur. Moi, l'anglais, hein, ça fait deux, vous le savez bien. J'ai eu un petit échantillon. Et du coup, j'ai commandé plein de petits masques. Franchement, ça valait le coup. Je crois qu'ils étaient à 1 euro, un truc comme ça. Donc, c'est ceux-là, ces petits masques-ci. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Donc, je crois qu'il est au miel, celui-là. Voilà. Masque à pelé purifiant. Donc, celui-là, il est au miel. J'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, c'est Montagne Jeunesse. Et celui-là, il est argile véritable, mur jaune arctique et raison rouge. Donc voilà. Alors celui-là, ça doit être un masque en tissu, je pense. Donc celui-ci. J'ai pris celui-ci. Donc c'est toujours de la marque Montagne Jeunesse et c'est à Aloe Vera Face Spa. Voilà, donc celui-là aussi, c'est un masque en tissu. Ensuite, j'ai pris celui-ci, Super Fruit Mood. Donc, c'est boue au super fruit. Donc, toujours de la marque Montagne Jeunesse. Celui-là, alors c'est de la marque toujours Montagne Jeunesse en fait, et c'est un peel-off qui doit être au citron. Ah bah j'ai pris les deux mêmes du coup, les deux derniers, c'est les deux mêmes. Donc, je vais tester, je vous dirai s'ils sont bien. Je me suis pris une petite crème, alors les prix, franchement, c'était moins 70%, moins 50 ou moins 70%, donc je me souviens pas exactement des prix. Donc je crois que c'était 1 euro et quelques les masques. Je me suis pris de la marque Référence, une crème de jour. Donc comme ceci, avec le flacon de pompe. Alors celle-ci était à 8 euros, je crois. Donc pour ce prix, je me suis dit, je vais tester. Il y a 50 millilitres à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'alors, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Donc je vais tester, je vous dirai si elle est bien. Ensuite, je me suis pris ceci. Alors je ne sais pas si c'est la marque, ça. Bioticologie, là, je pense pas. Donc c'est une petite brume comme ceci avec un flacon pompe et c'est à la fraise. Voilà, c'est une brume pour le corps. Donc, ça sent super bon. Donc je vais tester cette marque. Je sais pas si j'ai pas un ou deux produits déjà de cette marque, mais j'avais pas testé les brumes donc du coup j'ai pris une à la fraise. Ensuite, j'ai pris ceci de la marque Etam. Donc, c'est bulleuse danseuse. C'est un gommage doux pour le corps. Il y a 150 millilitres à l'intérieur. Donc, on va tester. J'ai jamais testé cette gamme de produits. J'ai jamais testé la gamme de chez Etam. Donc, petite découverte. Ensuite, j'ai pris des baumes pour les mains. Donc, toujours de la marque Etam. Donc, bulleuse dorloteuse. Et bulleuse lumineuse. Donc c'est des petites crèmes comme ceci. Il y a 30 millilitres à l'intérieur. Voilà pour les petites crèmes de chez Etam. Ensuite je me suis pris ceci. Deux gels antibactériens de la marque Merci Andy. Donc c'est pareil, ils n'étaient pas bien chers. Donc j'ai pris le bleu. Et le rose pailleté, donc trop trop bien. Donc le Flower Power et le Cocorico.
Ensuite, pour continuer, merci Andy, j'ai pris un dentifrice. J'ai jamais testé ces dentifrices. J'ai toujours pris des gels antibactériens, mais les dentifrices, jamais. Donc du coup, c'est pareil, c'était pas bien cher, pardon. Et c'est le All-in Mint. Donc voilà, et c'est un contenant de 50 millilitres. Donc je vais tester. Je sais pas du tout ce que ça donne. Bon, c'est, ça sent bien la menthe. Donc je vais tester. Ensuite, j'ai pris ceci de la marque Fashion Makeup. Donc ils appellent ça des perles bronzantes. C'est la numéro 05. Donc vous avez des perles un petit peu de toutes les couleurs. Et pour terminer ma petite commande de beauté privée, j'ai pris un petit rouge à lèvres comme ceci de la marque Fashion Makeup. Un joli violet. Comme ceci. Il est trop joli. Trop beau. Donc voilà pour mes achats sur le site internet Beauté Privée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolée, il y a beaucoup de luminosité aujourd'hui là. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.